Salut. Comment ça va? Bien et toi? Ah bien, bah dis donc, c'est quoi cette prise là? Ah bah... pas des trucs à notre niveau. Ah tu m'étonnes. En fait quand on met des... comment ça s'appelle? Des murs de deux en fait, ils ouais. croquent dans les murs en haut. Ah oui des d'accord. Trucs sur le dorbo en même temps. Et bon, faudra convoyer avec eux parce que c'est ce que je disais à Tony, moi vu que je suis dans l'élevage, après je pourrais leur faire des reproductions à la limite pour la police. Tu vois, ça ferait des beaux bébés. Avec Tony, bah, on était parti voilà, faire un petit tour pour regarder qu'est-ce qu'il y a de beau au niveau des animaux. Et tout d'un coup, bah, on voit un T-Rex. Du coup, j'ai dit, attends, je vais envoyer l'ours histoire qu'il prend les coups. Et moi, je regarde son âge. Je regarde 140. Ok, bon, on va le prendre, on va l'écarter. Tu étais avec le roi. Ah, le roi est là? Ouais, du coup, on a le droit de le tam. Il m'a donné la permission de le tam. Oh, ben, on va le faire tomber alors. Hein. Ouais. Ah oui, je peux te dire. Ah ! La musique, t'as vu, elle a changé ? Il en est où ? Les flèches qu'il a. Voilà. Yeah. C'est mal. Bien joué. Ah, un petit mal. Ah! Oula, j'entends une belle voix. Qui c'est? Oh, bonjour! Comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci! Je vois que vous êtes bien occupé. Ah, bah oui, on est en train de s'occuper d'un T-Rex, ordre du roi. Ah ah! Les fameux T-Rex du roi! Oui, voilà, tout à fait! Bonjour! Celui-là, il a un bel âge, hein. Il va avoir. Du coup, on avait dit quel âge, Tony? Il a 208 ans, hein. Ouais, quelque chose comme ah, ça. Oui. Ouais, à la base, le Rex, on l'avait bloqué sans le descendre dans ce labyrinthe infernal. Et il était bloqué, d'accord. Et quand on a vu le roi, on lui a demandé si on le laissait tel quel ou si on s'en occupait. Il a dit non, occupez-vous-en tout de suite. Et qu'en est-il pour votre ours? De quoi? Quel souci? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Bah, l'ours qui s'est fait castrer. Quoi? Disons que. Attendez, le. Je l'avais nous pas dit. Un cadet dans la police qui s'est trompé de sens en voulant caresser l'ours et malheureusement, oui il a eu des petits soucis et il s'est retrouvé qu'il a castré l'ours. Mais. Oh, il a voulu le caresser un peu trop bas avec une sacrée poigne et puis au revoir. Hein. Oh, exactement. Ah mince. Donc voilà. Ah oui, effectivement, donc là je peux plus vous faire de reproduction là. Bah ouais. C'est pour ça que beaucoup sont à la recherche d'un ours pour monsieur architecte. Ah oui, d'accord. Bah faudra qu'on regarde ça. Oh bah dis donc. Oh, mais... Ah oui, c'est pas de peau. Ouais, 34, il avait 50 ans quand on l'a récupéré. Du coup, ouais. Il est arrivé 70. Oh là 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 là. Un quai de boue. Bah dis donc. Ouf. Bon, calme-toi. Hein. Eh oui, du calme, mon petit, du oh calme. Oh la vache. Ah, celui-là, il va... Oh, j'adore votre... Oh, il est beau. C'est un cadeau. Un cadeau de bienvenue. Oh, bah dis donc. Il est magnifique, hein. Mais vous êtes là depuis longtemps? Non, ça fait 4 jours que je suis arrivée. Ah oui, c'est tout récent. Ah bah, vous habitez vers quel endroit? Je suis dans la capitale. Je suis l'assistante de l'infirmière et la psychologue du village. Ah, mais j'ai vu le bâtiment psychologue. Et du coup, je savais pas qui s'en occupait, en fait. Et bien voilà, c'est moi. Ah bah voilà, comme ça, je saurais. Moments later. Ah bon, il est là. Bah alors, venez. Sur la descente. Venez, faut descendre. Okay. Ouais, descendez. On peut le cher. Oh, le petit. Capitaine, et c'est quoi ça? Vous pouvez vous approcher, hein, y a pas de problème, ouais, il est très bien dressé. Attends, petite annonce, le prisonnier est réveillé. Voilà. Mais sinon. Oui, on va laisser couper de lui juste après alors. Magnifique. Oh, ça fait plaisir. Oula, ça, c'est bah, si vous voulez tester la fidélité de ce Rex face au prisonnier. Ce sera pas nécessaire. Et dis-moi, il a combien de dents? Il a 208 ans actuellement. Oh putain. Oh, cher. Oula, c'est très intéressé ça. Ah oui. Alors, attends, il est où normal ou une femelle? Je suis là, lieutenant. C'est derrière vous. Il n'y a plus qu'à lui trouver une bonne petite femelle puis les reproduire. D'accord, alors juste une sauce, cadet de zone. Puis le croqueur, je suis dit. Oui.
Bonsoir. Tu le caresses pas celui-là, d'accord? Non. De toute façon, pour le moment, tant qu'il est dans mon village, je peux pas. On va éviter des problèmes. À l'écart. Voilà, on va éviter des problèmes. Vous inquiétez pas. Tu le tousses pas, d'accord? C'est compris. Non. Tu casses avec tes yeux, c'est tout. Bon, du coup, on le met où, monsieur le roi? Eh bien, libérez-le déjà. Le pauvre petit. Ah, attendez, peut-être falloir discuter, je vais pas le libérer gratuitement, monsieur. Mais vous foutez de ma gueule, monsieur, vous les filles en prison? Ah, excusez-moi, mais à la base, je l'ai empêché de bouger, je l'avais bloqué dans une cage à Rex, et on m'a dit de m'en occuper expressément, justement, parce que fallait pas le louper. Donc à la base, j'aurais attendu de payer ma licence. Mais là, c'est pas licence pour les Rex, monsieur. Comment, excusez-moi? Il n'y a pas de licence pour les Rex, vous croyez que c'est un produit à vendre? Je savais très bien qu'il fallait attendre ce soir l'annonce, car j'en ai parlé hier soir avec le roi, qu'il fallait attendre, et quand je l'ai vu, je suis venu poser la question, on m'a dit de m'en occuper. Donc je veux pas le donner gratuitement, j'ai quand même mis pas mal de risques. Oh, peu cher. Non mais monsieur, on accepte, c'est gentil, ça va contribuer au royaume. Mais croyez pas que vous allez vendre des Rex comme ça, vous prenez pour... Ah non, mais il veut une récompense, c'est ça qu'il veut. Eh mais non, mais pas le souci. Et qu'il se calme un petit peu, parce que sinon je vais lui mettre mon fusil dans la gueule. Excusez-moi, parce qu'il a depuis quelques jours, il commence à prendre un peu de... Eh, doucement. Mais non, c'est juste que voilà, c'est juste qu'il s'est un peu mal exprimé, mais c'est juste que voilà, on a trouvé le Rex, il veut juste une récompense pour l'avoir capturé. Oui, mais il s'exprime très très mal, donc c'est nous qui allons choisir et pas lui. Donc il va se calmer un petit peu, il va libérer le Rex et on va discuter un peu plus tard. N'oubliez pas que c'est quand même la police et le roi qui décide le tout ici, messieurs. Ouais, écoutez, je comprends tout à fait, en attendant... Et vivement que je prenne ma vacance là, je crois que je vais me casser demain. Parce que putain, ça tourne pas ce village. Allez monsieur, je vous laisse traîner cette affaire. Je peux pas avoir affaire avec ces jeunes là. Je crois que monsieur le roi est occupé. C'est du bon boulot. Merci. S'il vous plaît, messieurs dames, on se disperse un peu. Hein. Oui, monsieur. On retourne à ses activités. D'ailleurs, ça fait plaisir de vous revoir, Dame Kira. Ah, bah c'est gentil, ça me fait plaisir aussi de vous voir. Vous allez bien? Bah écoutez, j'ai été promu au grade de lieutenant. Oh! Bah bravo à vous! Félicitations! Et merci, c'est gentil. On a des nouvelles recrues dans la police, on a des personnes qui sont parties, on a des nouveaux concitoyens qui sont forts et mal. Oui, bah j'ai commencé à voir justement, j'ai commencé à les voir un petit peu. Bah regardez, à ma droite, je vous présente Docteur Yusera. Mais oui, bah justement, j'ai commencé à faire la connaissance. C'est ça, nous avons fait un petit peu connaissance. Et bah c'est très bien. On fait ça petit à petit. Eh ben oui, c'est ça, c'est bien. Par ça contre, fait plaisir, dites-moi ça le. Ben oui, mais dites-moi, le commandant est énervé ou quoi? Ah, il y a. C'est vrai que depuis. Il y a eu quelques petits problèmes. Ah non, mais je comprends bien, mais je veux dire, là, c'est vrai hier, que. Il y a quelques petits. Ah non, mais je comprends bien, monsieur Katsumoto, mais je veux dire, au niveau du parler, là, moi, je manque pas de respect ou quoi que ce soit, je trouve que c'est pas très gentil de parler comme ça. On a quelques petites difficultés en ce moment, on va dire. Oui, je comprends, monsieur Katsumoto, je comprends bien. On a des petites crises, entre guillemets. Ah, c'est pour ça que Tony, quand même... Je vous avoue quand même que, heureusement que je suis loyal envers le royaume, parce que le Rex, à l'état actuel, il m'obéit au doigt et à l'œil. J'avais juste à se faire un petit sifflement et le commandant, il se serait vite tu. Ouais, enfin, tu sais que ce qui aurait pu se passer pour ça, pas derrière. Oui, mais justement, c'est là où je prouve ma loyauté et que ce Rex, je me suis fait chier à aller le chercher et un minimum de respect serait le bienvenu. C'est pour ça que j'ai dit que tu avais fait du bon boulot. Oui, c'est gentil, monsieur Katsumoto, mais en fait, c'est qu'on s'attendait pas à se faire parler comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous nous manquez jamais de respect, on est toujours très respectueux. Et là, en fait, on livrait vraiment le T-Rex parce que, bah voilà, enfin, c'était pour le roi et pour vous, pour la suite. Donc voilà, on s'attendait à une petite récompense et tout, donc qu'il nous parle comme ça, alors qu'on a pris le temps, justement. À la base, Tony voulait le tuer, puis après, il a pensé au fait, justement, hier, vu qu'il a vu le roi et tout ça, il a pensé à l'avoir, bah, pour vous. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps, de s'en occuper, d'aller chercher la viande comme il fallait et de le dresser. Donc on s'attendait pas à des remerciements comme ça. Nous, ça nous fait plaisir que vous, justement, vous nous disiez merci, belle bête et tout. Mais c'est vrai que la façon de nous parler, de sa part, c'est vrai que là, ça refroidit un peu.
Vous inquiétez pas, ça c'est. On va dire que c'est à cause de ce qui se passe en ce moment. Rassurez-vous, oui. On apprécie votre travail, Tony, c'est rassuré. C'est en plus, bon c'est vraiment quelqu'un. En fait, voilà, en fait, c'était vraiment pour faire plaisir, pour qu'elle. Enfin, en plus, c'est le tout premier du coup du village. Donc voilà, c'est pour marquer le coup. Et puis en plus, il a un bel âge. Donc on s'attendait pas, en fait, on demandait pas non plus un coffre d'or ou quoi que ce soit. Mais c'était, on pensait pas qu'il allait nous parler comme ça. Enfin. Voilà, enfin, je vais pas vous mentir, nous, je vais pas vous mentir, hein, monsieur Katsumoto, nous, on a plus rien. Enfin, dans le village, nous, dans l'Ariane, on est sur la paille avec les licences qu'on a payées et tout. Donc voilà, on demandait juste un petit peu, quoi. On demandait pas non plus des milliers des cents. Vous inquiétez pas, vous aurez une récompense par rapport à ça, surtout pour une belle bête comme ça. Après, n'hésitez pas, si vous en croisez d'autres, essayez de les capturer pour le royaume et pour la défense du royaume. Oui. Et. Après, en fonction de l'âge aussi, hein, ne ramenez pas que 5 dents. Oui, évidemment, bah oui, tout à fait. Un beau. Mais non, voilà, tout à fait. Comme je l'ai dit, hein, Tony, c'est du bon boulot, t'as fait un très bon travail. Je suis fier de toi, c'est bien. Donc, merci. Comme ça. J'ai toujours été satisfait du village de Rayon. Et continue comme ça. On verra pour la récompense après, mais vous inquiétez pas, vous aurez un petit quelque chose. D'accord, bah c'est vraiment gentil, monsieur Katsumoto, c'est vraiment gentil à vous. Excusez-moi, je suis de retour. Oui, j'ai un petit peu entendu ce qui vient de se passer, et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Merci. Bon roi, est-ce que le village de Lerion me garde au sein de leur village en attendant, ou est-ce qu'il l'intègre au sein du royaume? Je pense qu'on va le prendre pour la police et on va le racheter directement. Ça fait. Et je voulais le revendre combien de base? Dans tous les cas, il n'y a pas de commerce lié je pensais en discuter avec vous, ce serait plus une récompense plutôt qu'une vente, vu ce qui a été dit. Effet. Puis dans tous les cas, mon bon roi, il n'y a pas de commerce lié au Tyrannosaurus Rex, là c'est plus vraiment pour la sécurité du royaume, doit se faire. Donc, après, dans un sens, les chasseurs qui prennent les risques d'aller vous les chercher, méritent des récompenses. Hein. Ne t'inquiète pas, Tony, par rapport à ça, je te l'ai dit, il y aura récompense hein, pour tous ceux qui ramèneront des bons T-Rex. La récompense sera à la hauteur du nombre d'années que le T-Rex a, évidemment. Du coup, je vous le dépose où, monsieur le roi? Pour l'instant, chez moi. Si vous voulez, je peux le garder au village en attendant pour pas effrayer. Allez-y, gardez-le au village. À la rigueur, Tony, je passerai vous voir après, puis je le mettrai au sein du commissariat. Pas de problème. D'accord, pas de soucis, monsieur Katsumoto. Et on verra pour la réponse. Je vais aller voir le prisonnier, je vous dis à tout à l'heure. Oui, allez-y, à tout à l'heure. Et n'oubliez pas, Villas Velaryon, Tony, tu es venu hier, mais Kira, si vous n'êtes pas au courant, à 22h, heure continentale, chaque soir, nous avons un banquet qui est organisé par le roi, sous la sécurité des policiers, des brigadiers, de tout homme de la brigade, pour discuter des actions à mener, de ce qui se passe, des petits problèmes que certains peuvent rencontrer, et des tasses qu'il a effectuées comme Monsieur Black a effectué aujourd'hui. D'accord, ok, bah pas de soucis, bah je serai présente alors. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est parfait, un plaisir de vous voir. Et écoutez messieurs dames, à plus tard, si vous y avez besoin, n'hésitez pas, nous sommes au centre de la brigade. Merci, d'accord. À plus tard. Merci. À plus tard. Cadet Zone, attachez-vous à mon poney. Oui, je vous attache. Pas autre chose. Ah oui, parce que Dame Kira, si vous voulez savoir, voyez le petit nounours d'Hiroto. Oui. En fait, hier, le cadet de zone a voulu le caresser. Oui. En fait, il a glissé. Sa main a ripé. Et en fait, pour se terminer, vas-y, dresse ton nounours, Hiroto. Ouais, sa main a ripé ici, là. Oh là 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 là. Encore là, là, un coup. Là. Ici, ah oui, là, je vois. Là. Oh là 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 là. Et donc, maintenant, on n'appelle plus un homme, on l'appelle une femme. Oh le pauvre. Ah, effectivement. Ah oui, oh là là, c'est donc, malheureux, là. Donc, c'est pour ça que j'ai bien dit de ne pas tousser au T-Rex. Au T-Rex. Parce que, il ne faut pas qu'il y ait de problème par rapport à ça. J'ai commis la connerie une fois, je ne la recommencerai pas. Il y a intérêt. T'en sais 100%. Alors là, ça va être mortel. Ah oui, mais là. Ouais, tu sais que je suis un peu dérangé dans ma tête, mais bon, allez, messieurs, dames, on se disperse, on retrouve ses activités. Allez, d'accord, pas de soucis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne journée à vous. Attends-toi, c'est gentil. Attends-toi, je vais aller, je cours, viens.
Oui, t'as raison, il faut voir si je vais courir. Attends, voilà, attasse-toi. Ou sinon, savoir, c'est moi qui vais t'attasser. C'est mon petit plaisir aussi. C'est parfait, c'est allez, bon. Taïwo. Allez-y, passez devant, je vais pas vous écraser avec la bête. Mais bon, je te dis, Hiro, moi je te le dis. Hein. Si ce soir, bon, ça va être la première fois que je viens à la taverne, hein, à 22h, si ce soir il me parle mal ou il manque de respect au peuple, moi je me laisse pas faire. Enfin, je vais pas le toucher ou quoi que ce soit. Hein. Mais en parole, je vais lui dire de pas nous parler comme ça, je te le dis. Oh oui, t'inquiète parce pas, que, t'es non, pas mais... la seule, hein. Il y a les Amazones aussi. Oui, c'est ce que la dame m'a dit à côté, hein. Elle m'a dit la dame. Oui, les Amazones et la caravane sont... Parce que la caravane, elle appartient à qui? La caravane appartient techniquement au peuple du Nord. D'accord. Ça permet de faire des transitions au Nord. Mais c'est... Oui, mais je veux dire... Ce que je voulais dire, en fait, c'est, tu vois, est-ce qu'il y a un gérant? Ou non, pas du tout, c'est, ça tourne, c'est les gens, enfin... C'est qui le gérant de la petite caravane? Si, il y a une, effectivement une chef de caravane qui d'accord. s'appelle Dame Izanabi. Et je ne sais pas si elle est là actuellement, mais oui, il y a bien une gérante... Ah voilà, donc il y a bien une gérante qui s'occupe voilà, de ça. C'est d'accord, ça. Ok, très bien. Ouais, bah, je suis contente, déjà ça me rassure si d'autres personnes... Bah, pense la même chose que moi par rapport au commandant, parce que là, c'est vrai que, en plus, bah, Hiro, tu connais Anto, c'est pas quelqu'un qui profite. Hein. Et, de nous parler comme ça, et en gros, de dire, bah, vous donnez le T-Rex gratuitement, enfin, on a quand même, moi, je veux pas me vanter, ou quoi que ce soit, mais comme chacun de nous, on prend quand même le temps de faire, voilà, on a pris le temps de l'adresser. Ah, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que j'ai intervenu entre deux. Ouais, bah c'est pour ça, quand j'ai vu que Tony il se faisait mal parler et que toi, bah tout de suite t'as réagi, j'ai vu que tu réagissais. Mais j'ai vu de toute façon que ça avait laissé un froid. Hein. Quand tu vois tout le monde, d'un seul coup, plus personne ne parlait. Voilà, donc c'est pour ça. Donc moi, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup au début, hein, très gentil, très souriant. Mais là, il parle de plus en plus mal. Et voilà, bon, après, je suis contente, le roi tout de suite a dit que, bah voilà, on aura quelque chose, il a calmé un peu la chose. C'est dommage par contre qu'il était un petit peu dans ses pensées pendant ce temps-là. Mais voilà, après, Katsumoto, lui, il a compris tout de suite, les autres ont compris. Donc j'espère quand même qu'il va y avoir un rappel à l'ordre ou qu'il va y avoir quelque chose. Oui, parce que, après, c'est bien de dire que le commandant a eu quelques jours où il était absent et qu'en revenant, il s'est retrouvé un petit peu chamboulé par tous les changements, mais oui. ça ne change rien le fait qu'il devrait être un peu plus respectueux au niveau du peuple et de tout ce qui se passe à bah, c'est pour ça, surtout qu'il faut pas... Voilà, je suis totalement d'accord avec vous, surtout qu'il faut pas oublier quelque chose. Hein. Chacun, on a tous notre petit métier, on apporte tous la pierre à l'édifice. Si aucun... Comment, en plus, il parle du peuple comme si c'était... Comme je le dis, moi, une sous-race. Si le peuple n'était pas là, il n'y aurait pas de construction. Hein. Le roi n'aurait pas tout ce qu'il a actuellement. Donc, ok, il a peut-être la richesse, mais il n'aurait pas son beau château, il n'y aurait pas d'architecture, il n'y aurait pas tous les dinosaures qu'ils ont actuellement. Voilà, donc je pense qu'ils nous prennent un petit peu... Enfin, lui, surtout, il prend un petit peu les gens pour des cons, là.